Avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder. Moi, j'étais très content quand il me l'a annoncé. Après, bien sûr, maintenant, quand on laisse passer cette joie, cette émotion, voilà, c'est une nouvelle responsabilité. C'est quelque chose que je vais assumer naturellement et avec lequel je ne vais pas me mettre de pression. Voilà, ça va pas changer ma manière de jouer, ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Mais voilà, je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Il y a des fondamentaux en tant que capitaine qui est pas possible de bouger, mais après, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Après, chacun est le capitaine qu'il pense être. Moi, je pense que je vais être un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui n'a pas une grande expérience dans le capitanat, donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. Là, j'ai pas envie de décider, d'imposer. Voilà, j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer. Je pense qu'on est un groupe uni. On a montré lors de nos grandes performances que lorsqu'on était tous ensemble et que chacun avait sa place, eh ben, on était capable de faire de grandes choses. Je pense que ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça. Et j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière, on sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute, voilà, c'est comme ça.